Attends, du coup, on développe cette zone. Là, c'est faudrait faire un rond-point, enfin tout le bordel. Histoire d'anti. Ah, on peut faire une forte densité du coup. Ce que je voulais certainement faire d'ailleurs à la base. Par ici. J'avais fait une sortie ici. Ok. Est-ce qu'on ferait pas un gros rond-point là? Un gros rond-point là. Et éventuellement, je sais pas, un truc par ici. Attends, parce que la zone elle était où? Ok, la zone était juste là. Et genre un rond-point là qui communiquerait sur toute cette zone. Wesh. Ok, on va essayer de rendre ça un peu cohérent. N'est-ce pas? Tu me prends de la grosse avenue. Un peu mignonne tout ça. Et l'objectif. Attends, parce que du coup là, l'avenue passait ici. Si je veux faire communiquer mon avenue, c'est compliqué. Voire impossible, faudrait que je casse là. Comment je pourrais faire? Si on le communique ici, par là, mais il y a le dépôt qui va me faire chier, qui va embêter. Au pire, en tout cas, je pourrais pas modifier. Est-ce que j'ai réussi à modifier celle-ci ou pas? Moi, je peux. Parce que la limite permettrait de me communiquer comme ça à l'autre côté. C'est juste ça qui va être problématique. C'est quoi ça? Ah, c'est l'usine, ça coûte une fortune à déplacer à tous les coups. Pente trop inclinée, super! Attendez. Mon usine m'emmerde absolument pas. Comment je peux faire? Sinon, faut casser. Attends, comment je peux. Il s'utilise quoi ça déjà? Boire à beauté, papier, usine de meubles. Mais pourquoi elle est ici? Ça n'a pas de sens. Usine de meubles, va la mettre directement là-bas. Il y a trop de monde. Va la mettre directement ici, quitte à faire. Ok, grâce à ça, on se développe tranquillement par là. Antenne de pompiers. Là. Est-ce que vous pouvez me respecter 2 secondes et demie? Merci bien. Donc là, parfait. On va se faire une petite ligne. Qui amène directement là-dessus. On va enlever tout ce qui est les petits feux, le classique. Et autant me dire qu'il vient d'avoir un certain nombre. Attends, je suis en train de n'importe quoi. Jonction, feu. Ok, voilà. On a stop là. On va essayer d'éviter les problèmes. Ça m'a l'air bon. Alors, le problème, c'est que le développement d'une telle zone, ça va être un peu le bordel. Voire fortement. Ah, je suis pas alimenté, zut. Attends, électricité. Vas-y, on alimente ça. Merci bien. Donc on a dit la zone va être ici. Attends, ça va être gigantesque. Je me suis peut-être un petit peu emballé. Donc, l'idée. On aura ça. En fait, un sorte de triangle. Un sorte de triangle magique. Et on placera tout ça là-dedans. Là, on avait un pseudo rond-point aussi qu'on peut connecter avec un peu de chance. Attends, comment je peux le faire sortir, lui? Non, il n'y a pas moyen. Attends, comment je pourrais faire, sinon? Par en dessous. Alors, je suis pas certain du move. Mais bon, écoute. Pourquoi pas dans l'absolu? On va faire sortir là. Comme ça on peut le connecter. Et on se retrouve avec une petite zone qui commence à avoir du sens, faut le dire très vite. Plus du bordel que du sens, mais bon. Pas sûr que ce soit idéal ça. J'aurais pu. Je rabaisse tout ça. C'est vrai que là, ça peut être idéal. Si on veut rabaisser tout ça. Ah ouais, c'est un. C'est un sacré bordel par ici. Clairement, attends, essaye plutôt de repousser un peu ça. Voilà, comme ça. Histoire d'essayer d'avoir le truc un plus doux possible. Ah, du coup, pareil ici. Oh, l'enfer. Il y a trop de choses. Après, je vais quand même garder la colline et c'était joli. Ça fait partie, voilà. C'est un peu mieux. C'est un peu plus doux, on va dire. Alors, il y a 2-3 morts. Mais oula, c'est même beaucoup de morts là quand même. Pourquoi on a autant de morts? Qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Ah, vous arrêtez. Ok, c'est juste les morts qui sont pas transportés.
Dans l'absolu, je vous mets peut-être le... On n'a pas encore ça. Écoute, vous voulez un petit cimetière par ici? Si vraiment c'est ce qui vous botte. Voilà un petit cimetière. Histoire de... Et donc là, dans ce triangle d'or, festation, papeterie, module maison, grande plantation d'armes. Ok, mais il y a un problème après l'autre. Là, je me focus sur la nouvelle zone. Sinon, on va jamais s'en sortir. Le problème, c'est que mon triangle, il est pas super opti pour placer du monde, là. Je suis en train de me dire. Surtout que là... Attends, donc tout ce qui était ici, c'est vraiment tout ce qui est... ouais. Ou peut-être partir plutôt par là. Après, j'avais ça, mais ça, c'est bon. Comment on s'organise? Vraie question. D'ailleurs, au passage, les ronds-points... Est-ce que je mets de l'autoroute ou... Classique autoroute ou j'en sais rien. Avec silencieux. Monsieur Arthur, vous allez bien? Vas-y. Histoire que ça éclate pas les oreilles des voisins. Comme ça, le troisième la même. Oula. On s'emballe légèrement. Attends, donc ça c'était quoi? Qu'est-ce qu'on avait? J'ai dû prendre le normal, je pense, ouais ça. Ok. Donc, 19e essai. Est-ce qu'on met un tram, des trucs comme ça, je suis en train de me dire, vu qu'on a la chance de pouvoir développer comme on veut. Est-ce qu'on partirait pas sur des trucs un peu sympas? Il y a une rue... Oh, piéton, on a peut-être du piéton à l'intérieur, ça aurait été incroyable. Oh. Est-ce qu'on met du piéton là-dedans? Oh, ça pourrait être sympa. Clairement, j'ai pas encore accès au tram ou pas? Attends, j'ai quoi? Oui. Route à 4 voies avec cap de trolleybus et piste cyclable. Ça, c'est trolleybus. Enfin, j'ai pas encore accès au tram, du coup, je crois. Donc, pas tout de suite. Est-ce que j'ai accès aux zones piétonnes, déjà? Oui. Zone piétonne, ok. Est-ce qu'on reste à l'intérieur? Est-ce que ça peut le faire d'avoir tout ça? Genre tout ça en zone piétonne? Ou est-ce que c'est une très mauvaise idée? Merde, attends. Pas de bêtises. Si possible. Voilà, comme ça. Ok. Vivement le 2, par contre, sera tellement plus simple la gestion de... Tu mets des points dans les angles et ça te fera tes zones directement. Ce qui sera quand même vachement plus simple, je vous avoue. Que ce vieux système. Vas-y, comme ça. Voilà. Donc là, rue piétonne. Du piéton qui rejoint une avenue. Bah à l'intérieur quoi. Faut pas qu'il puisse circuler sur l'extérieur, qu'il puisse livrer. Ça me paraît plutôt pas mal, non? Et comme ça on fera une zone normale ici. Ah bah je voulais mettre du tram tout ça mais je l'ai pas encore. Donc je vais peut-être juste me développer à l'intérieur pour le moment. Ça je garde pour la suite plus tard. Et à l'intérieur par contre c'est quoi déjà? Je sais plus comment ça se passe. Piéton. Alors j'ai pas accès parce que j'imagine je dois poser un point de service de petite zone. Les points de service, c'est où que tu le chopes ça déjà? J'ai plus aucun souvenir. Comment on chope un point de service pour pouvoir créer la zone? Ah! Petit problème. Point de service. Je ne sais absolument plus. Métro aussi, c'est vrai. Mais je crois, je sais même pas si j'ai accès à quoi pour le moment. Ah, ici! Point de service de petite zone piétonne, voilà, dans le parc. Donc là, il faut que je mette logiquement... Oula, ça lagouille. Logiquement, si je mets comme ça, on est bon. Et ensuite, du coup, je peux créer mes... Tu peux mettre du bus et des trams, mais pas besoin, là. On va mettre des trucs plutôt piétons. Je pense... Alors, comment on va connecter tout ça? Attends, il y a un système de grosses rues ou pas? Actuellement, j'ai accès à quoi? Oui, j'ai accès à des plus grosses rues. Le problème, c'est que ça prend une chier de place. Littéralement, si je commence à te mettre des trucs comme ça en plein milieu... Genre une avenue principale. Est-ce qu'il y aurait moyen? Ou est-ce qu'on est sur une idée relativement moyenne? Ça, ensuite, ça devrait être sur les petites avenues. C'est genre un truc, hein, je sais pas, un peu comme ça ou. Attends, comment on pourrait faire ça? Je suis pas certain de ce que je suis en train de faire. Clairement.
Du coup, eux, j'imagine qu'il faut juste se connecter. Parce que du coup, si je mets au centre, jusque là, ça va. Parce qu'après, il faut encore qu'il y ait la place pour construire des bâtiments, quoi. Oui, ça passe. Ah bah voilà. Alors, donner sur l'autoroute, je suis pas sûr. On va peut-être plutôt donner là-dessus. Peut-être voir là, à la limite. Ok. Bon, on est pas mal. Finalement, on sera pas mal, il y aura quand même de la place. Donc là, tu m'en refais la même. Voilà. Comme ça. Et tu le reconnectes. Bah voilà. Est-ce que c'est pas magnifique? Du coup, eux, est-ce qu'ils sont considérés comme étant reliés? Voilà. J'imagine que oui. Alors, je suis pas sûr que l'avenue en plein milieu soit vraiment jolie, mais bon. On verra bien. On verra bien après l'autre. Déjà, résoudre ça. Ça sera pas mal. Alors, niveau optimisation, on a abandonné tout combat pour rendre ça un tant soit peu cohérent, on est d'accord? Voilà. Ok. Et niveau électricité? Comment je fais? Si je te mets ça comme ça, il y a moyen ou pas du tout? Je vais passer de l'autre côté. Ok. Je crois qu'on va laisser juste celui-ci actif pour le moment. Une zone de bureau. Mais à côté, non? Parce que zone de bureau, là, c'est tellement petit. Je pensais plus mettre de la forte densité. Peut-être des commerces un petit peu. Genre autour de l'avenue. Un truc comme ça. Ouais, autour de l'avenue. Ça, c'est un peu l'avenue commerciale. Et je pensais plutôt mettre du bon vieux résidentiel sa mère. Globalement, enfin. Est-ce qu'on serait bon? Puis de faire après une zone de bureau, effectivement, mais plus à côté, plus par ici, une zone à l'ancienne. Un truc bien plus gros et mastoc. Ok. Vous en pensez quoi? Est-ce que ça peut... Oula, ça se développe direct. Pas de temps à perdre. Ok. Est-ce que j'ai tout de... zoné? Juste là. Et on sera parfait. Alors, par contre, il faudrait connecter tout ça. Je t'avoue que ça serait bien. Problème. C'est embête d'aller chercher là, quoi. Ah, c'est bon. Ça se connecte à l'ancienne, on va rajouter des petits parcs. Parce que donc là, là-dedans, c'est bon, il y a mis tout ce qu'il y avait. École, effectivement, tous les services. Ça va manquer de services, messieurs. Attendez, électricité, fais gaffe, parce qu'on va vite être coincé. Hôpital. Alors, je vais peut-être pas foutre un gros hôpital là, faut peut-être pas déconner. Par contre, c'est la forte densité en même temps. Est-ce que je te... Bah, je peux mettre un gros hôpital comme ça, ça... Vous êtes un peu dans l'exagération, là. Petite clinique. Une petite clinique en plein centre. Est-ce qu'une clinique, du coup, le fait qu'elle soit en zone... Ah, je sais pas, ça pose problème. Peut-être la mettre plutôt ici. Ça me paraît pas fou de la mettre en pleine zone. Pompier, normalement... Bah, en fait, je t'en mets un. On va mettre la totale. Dans notre grande bonté. Par contre, il n'y a pas un petit... Je vais mettre un truc... Ah, voilà. Le petit flic... école. École élémentaire haute capacité. À la limite, parce qu'il y a du monde quand même. Une autre capacité. Un lycée haute capacité. Comme ça. Voilà. Et comme ça, on sera pas mal. Une petite bibliothèque à la limite. Si on veut faire les choses bien. Juste ici. Et on... ce qu'il nous faut autre chose. Après, tout ce qui est transport. Mais ça, on verra plus tard. La clinique supporte pas. Monsieur, va se démerder. Il se démerde au final. Parce que je prends envie de la mettre en plein centre. Vu qu'il y a des ambulances. Et par définition, là, c'est que du piéton. De toute façon, elle est connectée. Même si effectivement, ils vont se plaindre. Ça prend. Ouais. Ça a des coûts.
Après, forcément, c'est à pied. Toi, ça prend une bonne partie. Ça sera suffisant, ils se démerdent. En plus, on a les ambulances, on a les. Est-ce que j'ai un truc d'hélico de. Je sais plus. Petite ville. Oh, oh, logement high-tech. Oh, attends, on pourrait mettre des logements high-tech ici. Attends, du coup, deux secondes. Quartier. Est-ce qu'il faut que je fasse une zone de quartier ou pas? Attends, parce qu'on aurait pu faire un truc. À savoir. Politique spéciale. Connexion. Attends, du coup, la zone high-tech, c'est où? Pêche durable, tous en avion. Zone VIP. Tous les abris situés dans la zone couverte par. Ah oui, ça dit. Ok. Recyclage, parquet loisirs. Transport plus gratuit, la base. Même si, bon, là, pour le coup, coup de pouce à l'éducation. Qu'est-ce que je peux? Préférence, dirigeable, recyclage. Préférence au parc. Touriste de la zone. Bonus d'entretien des parcs, wifi gratuit, foire du livre, ok. Et du coup, les bâtiments high-tech, c'est quoi? C'est où? Connexion sortante, logement high-tech, effectivement. Transformer les maisons en maisons intelligentes plus cool pour augmenter la valeur foncière d'autres. Écoute, let's go. Renforcement du vélo, bon, y a pas de piste cyclable, c'est pas fou. Paratonnerre. Éviter de prendre le feu lors d'orage. Construction, interdiction, voiture électrique. Il n'y a pas de voiture. Bonus de connexion. Peut supporter plus de véhicules transportant les touristes. Ça sert à rien. Ok, bah écoute, ça m'a l'air pas mal. Notre petit quartier là. Il est censé être pas mal. Il devrait y avoir ce qu'il faut. Il y a déjà du monde dedans. Il y a déjà pas mal de monde. Population 1400, écoute. En même temps, j'avais une demande de psychopathe. Forcément, ça va avec. Par contre, niveau circulation, alors déjà les feux. Et il faudra que je mette des transports en commun. Ça serait quand même vachement bien. Ouais. Ok, comme ça là. Fais-moi juste un stop là. Ah, parce que les feux, c'est des terribles enjeux. Enfin, ça te détruit ta ville, littéralement. On est ok comme ça. Pourquoi il y a un feu là? Ah, c'est pour connecter là. Donc ça, tu supprimes. Comme ça, ça circulera bien mieux. Voilà. On est bon comme ça. Qu'est-ce qu'il va leur falloir? Tout ce qui est transport en commun, mais ça on verra plus tard. Bon, au moins ils ont un peu de. Il y a un peu de place pour se développer, c'est déjà ça. Il y a tellement de trucs à faire. Une chose après l'autre, messieurs. Ah, c'est con ça. C'est très con. Pas assez de connecter, j'avoue. Usine de papier, ok. Donc là, ma zone de pétrole, elle en est où? Presque assez d'employés. Ouais, il faut juste un tout petit peu plus d'employés. Bah écoute, on va te mettre un peu plus de pétrole. Clairement, enfin, quelques pompes en plus et ça ira tout seul. Juste là. Voilà. Donc là, ça va tirer plus. Parce que son île, je pense que ça va. Oula! Oula, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Manque d'employés, j'imagine. Tous les coups, c'est un manque d'employés, ça. Il y a de fortes chances. Parce que j'ai que 10 000 habitants en plus. Forcément, on se développe dans tous les sens. Mais ça va vite manquer. Niveau... Oh! Tour solaire. Ça, c'est la vie. Littéralement tellement pratique. Attends, on va mettre quel côté? À la limite, dans la zone pétrolière. Ça me paraît pas si mal. Peut-être pas juste sur la route. Parce que pourquoi pas? Écoute, pourquoi pas au final? Vas-y, connecte là bien, histoire d'heure. Oh, enfin, je sais pas s'il en faut. Oui, il en fallait bien. Voilà, petite tour solaire, niveau haut du coup. J'en perds ma voix. Qu'est-ce qu'on prenait comme sortie d'eau fraîche? Service de pompage. Ça fait quoi? Stockage 1 million, c'est plus pour les urgences ça, non? Réservoir de cuve. Usine intérieure écologique, traitement des eaux. Enfin, du coup, on va mettre ça. Où est-ce que c'est déjà pollué? C'est par ici. Vu la gueule de la... Oula! Ah oui, je crois que j'ai un léger problème de... travailleurs. Je crois que ça manquait légèrement de personnes pour travailler. Vraiment trois fois rien. Clairement. Voilà, connecté.
connecté. Et du coup, là, niveau pompage, on va t'en mettre deux. On pense à l'avenir. Voilà. Comme ça, ça pompe. Oh, mais attends, pourquoi j'ai autant de personnes qui... J'imagine clairement, c'est manque de personnel. Pour moi, c'est clairement ça. Service de pompage, c'est pour les tsunamis sur les terres. Ah, c'est ça, service de pompage. C'est pour enlever les inondations des... Ok. Oula, attends, qu'est-ce qui vous arrive, là? Ça a l'air d'être un tout petit peu le bordel. Comment j'aurais pu rendre ça moins bordélique? Parce que j'avoue que là, c'est du grand n'importe quoi. Bon, après, il n'y a pas spécialement de circulation, c'est pas grave. Pour le moment, ça tient. Donc, attendez, restons focus. J'aurais presque... Attends. C'est qu'il y a trop de choses. Déjà, ici. On en était ouf. Abattoir. Abattoir, je crois que j'en avais ici, non? Étable, étable. Pâturage, salle de traite. Non, j'ai pas d'abattoir. Je n'avais pas d'abattoir. Ah, c'est ma stock, le truc. C'est pas un abattoir, ça? Ouais, abattoir, j'en avais un. Est-ce qu'on t'en met un deuxième ou... À la limite. Limite, on peut te mettre un deuxième abattoir juste là. Ensuite, qu'est-ce que je peux te placer? Voilà, du stockage. De meunerie. Je sais pas s'il me va manquer le genre de bâtiment. Étable, salle de traite. Qu'est-ce qu'il va nous falloir plus en termes de verger moyen? 25 travailleurs pour 2400. 8000, ok, c'est ce qu'il y a de mieux. Le truc, c'est que... Est-ce que j'ai vraiment de la place? Ça, je peux la dégager. Rien de personnel. Ah zut, c'est pas ça. Rien de personnel, mais là... On manque un peu de place. Voyez-vous? Deux, où est-ce que je peux en mettre? On va essayer de produire le maximum. Là. Et on a plus trop de place, en fait. Le problème, c'est que j'ai manqué de travailleurs, quoi. C'est le principal problème actuellement. Et on avait quoi du coup là? Salle de traite. Je peux t'en mettre... Allez. Comme ça on est bon. Comme ça on n'est pas si mal. Par contre ouais. Il manque 2-3 trucs. Ouais, le mode bulldozer je l'avais à l'époque, là je l'ai plus. Au moins on s'en rend compte du problème. Oh, grand pâturage, usine alimentaire. Voilà qui m'intéresse, attends. Usine alimentaire. Usine maison modulaire. Attends. Ça, j'ai tout. Usine alimentaire, j'ai tout ce qu'il faut pour. La question. Est-ce qu'on la mettrait pas ici direct? À la limite. Maison modulaire. Papier doux. Attends, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Oui, j'ai tout ce qu'il faut. Usine de papier doux. Comment ça fait que j'ai pas encore ça? Oula. Ah oui, c'est... Ah, ça prend un petit peu de place. On va pas se cacher. C'est un peu mastoc le truc. Waouh, la taille du truc. Tant pas que j'ai trop sur... Ah, zut. J'ai pas vu que j'étais déjà sur la plage. J'aimerais... Oh non, le con. J'ai mes trucs qui ça va être dégueulasse. Sur le bord de plage. Ouais, ça va peut-être pas... Ça va être particulier, on va dire. Raffinerie de pétrole, du coup, de l'autre côté. Oh, c'est mastoc de fou, le truc. On va le mettre bah juste là, écoute. Oh, la taille du truc. C'est littéralement gigantesque. C'est bon, c'est alimenté. On est bon. Là, nous, ma zone, du coup, elle est évolue. Il faut plus d'ouvriers. Ouais, faudrait surtout plus d'ouvriers. Attends, du coup, j'ai accès à quoi? Parce que bon, on va essayer de rester focus. Même si je te ferais qu'on s'occupe un peu du reste, quand même, à un moment. Voilà. Produisez du pétrole. J'attends. Niveau thune, ça va. Parce que ça consomme quand même pas mal d'employés. En plus, ces trucs, j'aurais pas assez d'employés, ça, le problème. C'est pour ça que tout s'est cassé la gueule, d'ailleurs. Faut vraiment que je fasse une zone. Faut qu'on se focus sur une zone à forte densité, là. Sinon, on va pas s'en sortir. La question va être où est-ce qu'on... Le pétrole, j'ai... Normalement, j'ai ce qui... Ah, mais du coup, ouais, faut que j'ajoute des usines. Faut forcément... Attends, j'ai mis ça, mais il n'y a pas mieux.
50 employés pour 9600. 30 employés pour 8. Ah merde, j'aurais dû mettre celui-ci plutôt en fait. J'aurais peut-être dû varier un peu. Attends, du coup, tout ce qui est traitement, on a quoi? Usine de raffinage. On va te mettre ça par ici. 4 usines. Pétrochimie. 2. 3. Les bouts d'hydrocarbures, vas-y. Voilà. Alors là, niveau traitement, on a un maximum. Crotte de stockage. Voilà, comme ça, ça a de la gueule. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Ça, c'est quoi déjà? Entrepôt. Enfin, vas-y, bah, maison bas. Et comme ça, on devrait être bon. On a tout mis, je crois. On aura de quoi traiter. L'entrepôt de marchandises. Ah oui, je l'avais pas fait. Parce que je voulais faire un entrepôt. Écoute, je pense pour le pétrole, enfin, un grand entrepôt. Après, j'avais celui qui était connecté au train, mais bon, on verra ça après. Fais-moi un grand entrepôt, sa mère, là. Ah, par contre, ça passe. Ça passe carrément, là. Équilibrage, tout ce qui est pétrole, du coup. Faut... Pétrolier. On va laisser gérer ça. Oh, magnifique, magnifique. Et là, il faut vraiment du... Il faut du personnel, il faut que je me focus là-dessus. Faisons un peu de... Ouais, on va mettre des gens par ici. Parce que sinon, on va pas s'en sortir. Je manque désespérément de personnel, là, littéralement. Attends, je le mets sur quoi? Si je vends... Oh, plateforme de forage, unité de craquage et usine de basket. Ok, une chose après l'autre. Tiens, focus-toi là-dessus. On va essayer d'enlever un petit peu ça. Parce que bon, c'est pas qu'actuellement, c'est un petit peu gondelé. Mais ça l'a un tout petit peu. Attends, je vais pas enlever toute la montagne non plus. C'était juste pour rendre ça un petit peu plus équilibré. Parce que du coup, là, on avait nos ronds-points. On va refaire un peu la même en mode à l'arrache. Parce que je vous cache pas que c'est le bordel. Comment on peut faire? Un rond-point juste là. On va mettre un autre ici pour le développement futur. Et on va connecter tout ça. Parce que là, il y en a clairement besoin. Et pas qu'un petit peu. Ah, par contre, il faut éviter d'avoir des problèmes ouais, forcément avec le dénivelé. C'est clairement pas idéal. Donc là, on va le connecter. Le péage. J'ai pas de péage, mais on pourra en mettre. Moi, j'ai pas de problème de thunes. Donc bon, je suis pas forcément pour voler mes pauvres citoyens. Attends, comment on fait là? Est-ce qu'on le fait passer en dessous? À la limite. Est-ce que tu penses qu'il y a moyen? Si tu fais passer en dessous, il passera pas. Monter, ça passe. Ça passe carrément. Ok. Ce qui veut dire. J'ai peur que ça foute le bordel là si je mets un. Attends, comment on peut faire ça? Déjà un passé au dessus. Oh, j'ai foutu un bordel. J'ai tellement de d'employés. Il y a tout qui s'est cassé la gueule. Non, pas envie. Ah. Le problème, c'est le dénivelé surtout, hein, qui va poser souci. Si je te mets au bord, oh, ça fait un truc. Oula! Ça. Oh, c'est surprenant, je dirais. Globalement, attends, ce problème, c'est que là, du coup, j'ai pas de rond-point. Est-ce que je mets un rond-point quand même, histoire de. Pour connecter. En même temps, il y a tout ça juste à côté. Donc, soit à la limite. Connecte-toi comme ça. Et de l'autre côté, tu pars là. C'est pas si mal. Ça risque d'être un peu le bordel. Mais bon. Comme d'hab, on verra bien. C'est particulier. On va pas se le cacher. Attends, du coup, il faudrait connecter ça. Autoroute, mets-moi une sortie. Le problème, c'est que là, du coup, on pourra pas sortir au-dessus direct. On va faire sortir comme ça. Parce que forcément, j'ai foutu le bordel. Là, et du coup, là, il faut qu'il puisse rentrer là-dessus. Est-ce qu'il y a moyen? Attends, c'est quoi la touche déjà? Juste. C'est ça? Ça
peux passer. Et ça passe, monsieur. Oh, le bordel dans tous les sens. Je suis pas si sûr qu'en termes d'optimisation, là, permettez-moi d'avoir des légers doutes. Et au final... qu'est-ce qu'un doute, messieurs? Merde, ça va être bon, ça. Là, t'enlèves. Du coup, la pas de feu, c'est bon. Ah, petit problème. De type gênant. C'est bon, c'est connecté. Donc là, on va irriguer. Parce que j'ai vraiment un manque de personnel, mais de fou furieux, là. Ça devient un vrai problème. Ça devient un véritable souci. On va essayer de faire ça de manière légèrement bourrine, mais un petit peu optimisée quand même. Faut pas déconner. Attends, j'ai un truc qui manque d'électricité, on va voir ça. Deux petites secondes. Là. Ok, qu'est-ce qui se passe là? C'était quoi ces trucs? Château d'eau, j'en ai plus vraiment besoin. Je suis pas sûr d'en avoir besoin, vas-y. Là c'est bon. Oh, j'ai un souci de personnel ça. Oh, j'ai remarqué, il y a 2-3 petits bâtiments qui ont un peu de peine. Ça manque légèrement d'employés. Voyez-vous. J'aime bien le système de... Attends, du coup j'ai pas connecté ça à ça quand même. Après, est-ce qu'il y a vraiment besoin, tu me diras. Ah non, je vais quand même le faire. Je vais quand même le faire. De manière extrêmement bourrine, n'est-ce pas? Ok. Après, du coup j'ai ça qui sera en plein milieu. Ah le con. Je viens de tilter le problème. Bah écoute, on va en 18 000 pour le transférer. Ça fait mal. Ça fait clairement mal, mais bon. Donc là, j'aurais bien voulu utiliser, justement, je sais pas, des trams ou... En même temps, c'est plutôt sur les avenues. Est-ce qu'on met un système de tram? Y'a quoi? Oh, j'adore ça. Les monorails. C'est extrêmement casse-couille à mettre. Mais ça a son charme, au final. Abordé avec des rails de tram. De tram, ouais. Attends, rail de monorail sur route à 6... Ouais, le truc abusé, y'a absolument tout, en fait, dedans. C'est peut-être un peu extrême. Est-ce qu'on met un monorail? Un monorail qui fait le tour. Le problème, c'est que du coup, j'ai pas... Tu crois qu'il y a moyen ou pas? La monorail avec voie. Dans l'absolu. Il y aurait moyen. Je sais qu'à chaque fois, c'est galère de faire les monorails. On va voir si ça marche. Pourquoi pas de monorail? J'aime bien les monorails, c'est mignon. Là, je vais mettre une route pour les connecter. Pourquoi pas de monorail dans ton quartier? Comment ça? C'est quoi le problème? Rail de monorail sur les routes de voie avec des rails de tramway. Rail de monorail sur route. Pas dans les rues principales, pourquoi? J'aime bien dans les rues principales. Puis c'est au-dessus, justement, ça bloque pas, c'est en plein milieu. Y'a aucune raison de pas le mettre. Je suis pas d'accord avec vous, là. Mais non, le trafic, ça change absolument rien. Il est au-dessus. C'est le principe du monorail. C'est qu'il est au-dessus. Il y a absolument... On est à, sur 3 voies de chaque côté. Il y a littéralement aucune différence. Voyez-vous. On va juste, par contre, du coup, mettre un truc comme ça. Parce que forcément, il faut le connecter. Un truc là. Pareil. Et un truc là. Ok. Donc, j'ai mon monorail partout. Donc là, j'ai pas besoin de monorail, on peut l'enlever. On va laisser du coup nos beaux arbres. Juste là. Ok, et de souvenir, je crois que je vais mettre les... Je sais que les gares, c'est super chiant. Faut que je regarde. Donc là, on a un trajet de monorail. On peut y rajouter après au centre un passage. On va tenter. Ok. Et du coup j'imagine que je peux couper en deux. Voilà, comme ça on a de quoi faire. Donc là maintenant je vais remettre
Donc on a dit quoi, station d'arrêt, écoute. Il faut réussir à le tourner. Voilà, pour qu'il aille relativement droit. Oula. Oula, oula, attends, t'es où? C'est bon. Donc un ici. Ça va nous donner un truc relativement bordélique. Putain, c'est d'un chiant à mettre ce truc. Je me rappelle pourquoi je suis pas très fan de base. Ok. On va dire que c'est bon. Là, le problème, c'est que la route, là, si je mets ça... J'ai des avenues avec... non, j'ai pas de gare avec une avenue. C'est le problème. Donc non, on va rester comme ça. On va rester comme ça. Donc maintenant, je les reconnecte. Et normalement... Je n'ai pas fait de conneries. Ça devrait le faire. Théoriquement, en tout cas, messieurs. Vas-y. Reconnecte-le tout. Toi, par contre... Est-ce qu'il peut tourner comme il veut, là? Attends, il peut tourner d'un côté. Ah merde, s'il veut tourner de l'autre côté, parce qu'il faut le 90, ou... Comment je fais? Attends, j'ai plus de thunes. Ah, léger problème. Voilà, comme ça. Comme ça, c'est bon, j'ai tout reconnecté. Et on n'a plus une thune. Nice, dis donc. Parce que là, je me suis un peu emballé, en fait. Parce que le problème, c'est que j'ai plus de thunes. Si je m'éplais, je me dis que ça va me coûter une fortune. Ça va vite être problématique, ça. J'ai fait légèrement n'importe quoi. 14 000, j'ai plus de thunes, je suis obligé de mettre play. Ouais, plus 34 000, ça va. Ça devrait compenser. La question, est-ce qu'on essaie de faire un truc artistique ou est-ce qu'on reste sur du bon vieux basique? Parce que faire un truc artistique, je suis pas certain en termes d'optimisation. Que ça soit l'idéal. Toi, je peux faire un truc certes très joli, mais ça va faire n'importe quoi. Cities Skylines 2, c'est le 21 qu'il arrive. La hype est là, clairement. Attends, comment je peux faire? On va essayer d'optimiser légèrement, mais pas trop. Quand même laisser un peu d'espace. Je pense un truc comme ça, ça peut le faire. Clairement, enfin. Vas-y. Voilà. Alors, par contre, là, en termes d'optimisation, pareil, c'est la merde. On va faire comme ça. Et là, la même. Et on va avoir un petit quartier... Il va être parfait. Il va être clairement parfait, messieurs. Et dernière zone. Comme ça, on sera bon. Voilà. Tu le connectes. Et si je dis pas de bêtises, tout est connecté, non? À peu près. Alors, c'est très à peu près, mais... se connecter au final. J'ai envie de vous dire. Parce que ma zone de bureau, j'aurais bien voulu la mettre... je pensais plutôt par là. Je pense, ouais, par ici, une zone de bureau qui serait par là. Les touristes, on les mettrait peut-être par ici. À voir, à voir. Bon, vas-y, pour le moment, focussons-nous déjà sur les habitants, parce qu'on n'a pas assez d'habitants. Du coup, pas assez d'employés, c'est problématique. Donc ça va être une très grosse zone. On peut se mettre un hôpital. Ça va prendre une place de folie. Ça va coûter une fortune. 65 000. Vas-y, je te mets quand même. Ça, c'est le genre de truc à se retrouver en faillite. Attends, du coup, avant de mettre les services, peut-être zoner déjà ou quoi? Parce que j'ai peur de me retrouver littéralement à sec. Du commerce sur les extérieurs, je pense. On va plutôt mettre ça par là. Ok, zone de commerce. Tout pareil. Ah, on pourrait faire une zone de loisirs aussi. C'est genre divertissement. Zone spécialisée. Alors, attends, on verra ça après. Peut-être ici d'ailleurs. Ah non, je suis pas sûr que mettre là soit fou. Où est-ce qu'on pourrait mettre? Peut-être ici, faire une zone divertissement. Ah, mais il y a l'aéroport. Je suis en train de me bloquer littéralement. Mais l'aéroport, je pourrais le mettre ici si j'ai développé. Pas beaucoup d'habitants, mais beaucoup de morts surtout, effectivement. Très léger problème avec ça. Trois fois rien. Écoute, la mort, franchement, c'est pas si problématique au final. Tout est relatif. Ok, bon, je crois que je me suis un peu emballé sur le commerce. Au moment, ils auront de quoi faire. Enfin, l'intérieur, non. Non, j'ai mis sur l'extérieur. Pourquoi sur l'intérieur j'en mets? Tac, voilà. Et du coup, maintenant, je pense que ça va bourriner la zone verte.
littéralement. Et puis on verra après pour modifier. Si besoin. Ça ferait une zone verte là, ça peut être un peu extrême. J'ai peut-être vu quand même vachement grand.